tu serais quand même pas informaticien et vouloir être distributeur de Diamond Scar, toi. Convaincu. C'est vrai, Jimmy? Tout à fait. T'as été convaincu? Je suis, ça y est, je suis fan. T'es fan? D'ailleurs, je prends une photo tout de suite, là. Ah oui, tu me l'avais dit, en plus. Attends. Ah oui, il me l'avait dit. Eh, t'as vu, t'avais oublié de la faire à Paris, celle-là? Exactement. Hein, parce qu'il voulait une photo à tout prix. Il faudra que tu fasses à Gigi aussi. Hein. Et voilà, c'est fait. Voilà, et alors maintenant, alors ce que je voulais montrer aux gens, surtout, c'était donc la belle voiture de ton frère, que tu faisais un petit peu de bêtises, mais je t'ai montré que, avec ma polisseuse, donc celle que tu as... Bah, tout à fait. Comment que tu l'as eu, toi? Mais tu l'as eu. On le dit pas. Ah oui, c'était grâce à Fabien. Voilà, bah, oui, le petit merci chef. Fabien. Voilà, donc lui, il a eu de la chance d'en avoir une. Donc je t'ai montré, tu vois, toi, c'était ce que tu avais fait. Mais c'était pas. Bah oui, parce que t'avais été trop vite. Et je t'ai montré que, hein, vous avez vu, on était en direct. Montre bien la délimitation, là. Voilà. Donc ça, c'est le côté que t'avais fait et que pour moi, c'était pas du tout. Du tout. Hein, c'est comme si moi, tu me demandes de faire un site internet, je vais pas y arriver. D'accord hein. Et donc là, tu vois, je t'ai montré un peu la page à faire. Donc là, au moins, tu vois bien qu'on est. C'est, ça va, hein. Puis après, il nous manque des pages, on le sait très bien. On va aller voir où c'est qu'il en est. Hein, savoir où c'est qu'il en est. Bon appétit, les gars. Obligé de manger là. Allez, Aldo, viens. Toi, Aldo, toi, t'es un bon polisseur, toi. Depuis que t'as ma polisseuse. Hein? Mon chien, toujours là. Allez, ouvre, vas-y. Saute, saute, saute. Allez, ok. Oh! Et ben, regardez le changement. Est-ce que c'est bien ou pas? Je la remonte. Attends, je l'éteins. Hop, t'as les mères. Alors, qu'est-ce que t'en penses? Et t'as vu là où c'est pas mal, pas de poussière comme je disais, pourtant il polie. Et t'as fait le Madwax ou pas? Pas encore. Donc pas de Madwax. Et vous vous rappelez de tout à l'heure? Et tu te rends compte? Alors tu vois, quand même, t'es quand même une personne qui l'a jamais fait. T'as vu comment il est bien? Et t'as vu, il y a bien été. Hein, rappelez-vous de ce que c'était. Et t'as vu? Alors donc ça marche bien quand même. Non, pourquoi? En plus, il l'a jamais fait. Ouais, alors t'en penses quoi? Ton regard. Ton regard, c'est quoi? Le sourire en dit long, non? Oui, mais tout à l'heure, tu m'as dit, ouais, mais c'est chiant. Je te l'avais dit d'être à deux, tu te rappelles? T'en as marre? Bah oui, mais je te l'ai dit. Hein. C'est long, les gars, il faut pas croire. Hein. On fait pas ça en 5 minutes. Mais à l'été, attention. Hein. Bah tiens, bah, alors Kimi, t'en penses quoi, là? Non, il a bien travaillé. Bah t'as vu, par rapport à tout à l'heure? Par rapport à avant. Alors? Et là où c'est pas mal, tu vois, pas de poussière, on sait ça. C'est ce que je dis toujours aux gens. T'as laissé le dessus, comme tu lui avais demandé. Tu vois la différence, là? Ah oui, oui, bah attendez, de toute façon, sur les côtés, c'est pas fait encore. Tu vois que ça va bien vite quand même. Hein. Et là, t'en es où, là? Là, il te reste la porte encore? Voilà, prends la lampe derrière toi. Tu la débranches. C'est juste pour montrer quand même. Parce qu'à chaque fois que je fais un direct. Donc, Jimmy, toi tu seras donc. Alors, dis-moi où, l'adresse où tu seras. Alors, les gens qui veulent des produits, parce que là tu vas repartir avec des produits. Mm-hmm. Donc, ils viennent où les chercher? À Saran, directement, dans le 45. Et puis, voilà, ils m'appellent, tout simplement. Ils m'appellent et j'aurai d'ici 3 mois un local. Voilà. Et vous m'appelez directement. Donc, il est auto-entrepreneur. Mm-hmm. Et là, il fait la vente et tout ça. Donc, ton numéro de téléphone, cite-le, vas-y. 0608 77 08 12. Vous m'appelez, je réponds et vous êtes servi. Voilà. Donc, non, débrancher, c'est. Ah, c'est tu pas, voulais non, c'est pas grave. Ah, ouais. C'est pas grave. C'est parce allez, que. Allez, alors, c'est okay. Juste pour montrer, regardez. De avant. Voilà ce que c'est quand même, quoi. Hein? On est bien, quand même. Hein. Il est fier, Dimitri. Mais c'est long. Hein? Ouais, c'est long, franchement, c'est long. Si tu veux, maintenant, je peux te donner quelqu'un, mais toi, tu me dis, je suis tellement perfectionniste, je vais la faire tout seul. Bah oui, ah, t'as vu, il ne reste plus que ça. T'as vu comment que c'était, ça a été vite, les gars? Eh, ça va vite, hein? Pour un gars qui n'y connaît rien, il fait du bon boulot. Voilà, puis après, il y a le toit et tout ça. Parce que là, le gars, il, comme je lui ai dit tout à l'heure, eh ben, il veut que je le fasse maintenant, le toit. Ouais, je le ferai quand même, peut-être. Oui. Je le ferai, allez, je le ferai. Parce que je suis pas comme ça. Donc, en tous les cas, vraiment superbe, quoi. Je vais montrer avec la lampe, parce qu'ils vont me dire. Ils ne montent pas avec la lampe. Alors, en plus, il n'y a pas le Madwax, sachez-le. Il n'y a pas le Madwax, imaginez quand même. Hein. Parce qu'après, on va faire la belle découverte, c'est quand on va mettre le Madwax. Après, on va le faire dans le noir. Ses yeux, ils ne seront pas faits comme ça. Et il la découvrira comme tout le monde après. Hein? Même les optiques? Ouais.
Ah oui. C'est juste. C'est à l'intérieur. Alors qu'avant, on le voyait pas. Ah oui. T'es fier de toi, t'es content? Franchement, oui. Et là, t'as vu, elle ressemble plus à celle que t'avais. Hein. Ah, t'as même fait cela? T'as fait ça? Alors, par contre, alors la petite question que je vais te poser, est-ce qu'ils sont vraiment bien faits? Regardez, hein, je ne sais pas du tout. Hein. Comment? Alors là, parce que moi, franchement, je suis épaté. T'as pas touché les joints, t'as mis du scotch, t'as fait quoi? Bah, j'ai fait avec les petits, là, tout ça. Avec les petits, ça veut dire quoi? Les petits. Non, dis-moi ce que t'as fait, parce que là, à la limite, il va m'apprendre un truc sans le faire exprès, je crois. Comment ouais. T'as... Tu l'as fait comment? Pourquoi il n'y en a pas, là, sur les scotch? Non, non, je rigole pas, il n'y a pas de scotch. Ben non. Alors, tu l'as fait comment? Ben, j'ai fait, non, je comprends... T'as fait comment là? Il n'y en a pas là. Déjà, j'ai fait sans scotch. Tu l'as fait sur le côté? Bah, normal. Non, non, je comprends pas les gars. Non? Mais non, les gars! T'as fait quoi? Normal. À la main? Ah non, à la machine. Bah ouais, mais t'en as pas mis là alors? Il est plus gros lui. Non, non, il y a un truc qui va pas. Bon, attends, attends. Donne-moi. Alors, tu l'as pas fait de l'autre côté encore? Bah alors, vas-y, montre-moi ce que t'as fait. Parce que là, je comprends pas. Là, je comprends pas. Là. Alors, déjà, à la limite, là, je me fais prendre à mon propre piège. Je sais que ça ne va pas tâcher les joints. Bah, t'as fait quoi avec la polisseuse? Vas-y, je veux le voir. Non, je rigole pas en plus. Parce que là, j'aurais mis un scotch, moi, déjà. Parce qu'il est plus épais, lui. Lui, il touche. Lui, il est au-dessus de lui. Alors, tu peux pas le faire, c'est pas possible. Ou alors, t'as ouvert les portes. Bah, il dit maintenant comme si c'était un connaisseur. Ben, t'es d'accord avec moi? Là, il doit toucher les joints, là. Alors, je veux voir comment t'as fait. Je ne rigole pas, en plus. J'aurais mis des scotch, moi. Parce que là, à la limite, sans le savoir, il aurait pu me bousiller le truc. D'accord, tu me... Bah oui. Je te laisse faire comme t'as fait. Hein. Non, mais je ne rigole pas. Alors, je veux pas jouer à un jeu. Parce que j'aurais mis du scotch. Personnellement, j'aurais mis du scotch. Donc, je te regarde voir ce que t'as fait. T'as carrément été sur les joints. Et ben, t'as vu, ça fait rien aux joints. Moi, j'aurais pas osé. Parce qu'ils sont en caoutchouc. Là, j'aurais pas osé, moi. Là, tu m'apprends un truc, là. Regarde, il va sur les joints, donc. Mais j'aurais pas osé, moi. T'es d'accord? Ben moi, j'aurais pas osé. Voilà. Non, ok, tu peux éteindre. Donc, ben, j'aurais pas osé. J'aurais pas imaginé que j'ai dit que ça ne tâchait pas les joints, mais pas à ce point-là, j'aurais cru. Ben ouais, mais quand même, quoi. Tu l'as fait, mais parce que ça a été beau sans le faire exprès. Parce que c'est peut-être pas dit pour toutes les voitures. C'est pour ça, je comprenais pas. Regarde, il essaie, il y a rien dans les joints. Ils sont à la limite tout neufs. Vrai ou pas? Vrai ou pas? Mais j'ai jamais dit de faire ça. Moi, à la limite, ça, j'aurais pas fait. J'aurais mis du scotch, mais c'était obligé. Ou alors, j'aurais ouvert la porte. Comme on sait qu'il n'y a pas de poussière, j'aurais fait ça, tu vois. J'aurais fait ça, et regarde, on était bien aussi. Et là, j'étais zéro défaut aussi. Mais là, tu m'as surpris. Parce que j'aurais pas osé, mais il n'y a rien. Donc voilà, c'est pas mal. Donc voilà, tu m'as appris un truc en fait. J'ai carrément tout fait même là. Tu vois, raison de plus, je dis, c'est encore un truc bien, ça ne tâche pas les joints. Hein, c'est un délire quand même. Ils sont même plus neufs qu'avant. Attends, nous on le voit. Mais les rageux, ils vont pas voir ça. Ils vont dire, regardez, sur les sites de détailing, ça va être, ils ont été sur les joints, regardez, avec des visages qui pleurent, ça va être ça. Donc bien joué. Bien joué du hasard que... Franchement, c'était du hasard. Pour moi. Donc bah, c'est bien. Donc, Orléans et puis Valenciennes. On est d'accord? Alors déjà, vous avez déjà eu des contacts. T'as vu ça depuis qu'on a fait la vidéo? T'as déjà des gens, hop, vous avez déjà des ventes. Alors on va redire le numéro parce que t'en as qui prennent celle en route. Vas-y, Gag, il est content, viens. Alors, si tu me laisses un peu de temps, je vais te donner. Vas-y, je te laisse faire. Donc, l'adresse 19 rue Fabre des Glancines, Denain. Ah, Denain. Voilà. C'est vers Valenciennes, c'est Valenciennes. D'accord, ok. Non, mais c'est cool. Mais moi, je travaille sur Valenciennes, donc même pour les livraisons et tout ça, il n'y a aucun souci. Aucun problème. Donc, vous avez tous les produits, le 4K, tout ça. Il y a juste, on est en rupture de pad, on le sait. Et puis, les polisseuses, on est en rupture. Bon, bah, désolé. Sinon, on a la gamme complète.
Voilà, donc je vous remonte bien le numéro de téléphone, le 07 61 34 64 92. Voilà, distributeur de produits Diamonds Car. Greg et Ludo. Donc, Valenciennes, et toi, Orléans. Et ma chérie, où toi? Au Cameroun. Il est là, le Cameroun. Il est là. Il est là, son frère. Il en a pris plein les yeux, là. Hein? Ouais. Donc, bah, tu vois, à la vitesse où ça va, hein, c'est quand même une personne qui n'a jamais poli. Exactement. Hein, tu te rappelles, tout à l'heure, je te dis, non, n'hésite pas. Et tu as vu, c'est pas mal. Hein. Donc, ça prouve bien que tout le monde peut le faire. Voilà. Donc moi, quand je formerai les gens, mes distributeurs, demain, si c'est un grand groupe, je formerai le grand groupe. Hein, ça, c'est pour le dire, parce qu'on a des appels quand même. Donc, je formerai gratuitement, bien sûr. Parce que moi, j'aime bien que les distributeurs sachent le dire aux autres, aux clients et tout ça. C'est ça, l'histoire. Allez, comme j'ai toujours, fin de citation.